Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Gianluigi Donnarumma qui devrait s'engager avec le FC Barcelone. Mais avant les amis d'Elpo, n'hésite surtout pas à liker la vidéo si elle te plaît et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi activer la petite cloche pour ne pas rater la suite des vidéos à venir. Et nous les mecs, on est parti pour parler de Donnarumma au Barça. Libre de tout contrat depuis son départ de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma aurait été proposé à différents clubs parmi Mino Raiola pour son avenir. Mais ce serait bien le FC Barcelone qui serait en pole position dans ce dossier. N'ayant pas trouvé d'accord sur le terme d'un nouveau contrat avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma arrive au bout de son aventure avec son club formateur et se retrouve donc libre le 30 juin. Le gardien de 22 ans pourra donc s'engager avec le club de son choix. Son nom circule et d'ailleurs revenu assez souvent dans plusieurs clubs comme le PSG, Barcelone ou encore la Juventus ces derniers temps. Et les choses semblent s'accélérer puisque selon les informations de Fabrizio Romano, Donnarumma a bien été proposé au FC Barcelone et le conseil d'administration du Barça doit maintenant trancher le concernant. De plus, la Juventus serait également sur le coup, tout comme le PSG, mais Gianluca Di Marzio affirme que c'est bien le club catalan qui tiendrait à la corde à l'heure actuelle. Pour résumer, le FC Barcelone est en pole position pour accueillir Gianluigi Donnarumma en fin de contrat à l'AC Milan, alors que le PSG et la Juventus Turin restent à l'affût selon Gianluca Di Marzio. Alors que Mike Maignan a récemment signé un contrat de 5 ans en faveur de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma va de son côté quitter la Lombardie, libre de tout contrat, faute d'avoir trouvé un accord pour une prolongation avec le club italien. Et le point de sa chute du jeune gardien de 22 ans semble se préciser. Et là les mecs, vous m'avez compris, je parle bien évidemment, excusez-moi, du FC Barcelone. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le FC Barcelone est en pole position pour accueillir Donnarumma. Très apprécié, je le rappelle, par le club catalan. Toutefois, avant de passer à l'action, le Barça doit d'abord régler sa situation vis-à-vis du fair-play financier. Par ailleurs, le spécialiste italien du mercato ajoute que le PSG est également à l'affût et attend des réponses de l'entourage du portier. De son côté, la Juventus Turin, souvent associée à Donnarumma, est pour le moment en stand-by dans ce dossier, mais pourrait changer de stratégie dans les prochains jours. Voici en tout cas les frérots pour cette petite vidéo mercato sur le Barça. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment les mecs. On est déjà plus de 10 000, c'est énorme. Merci infiniment. Je vous kiffe, continuez de vous abonner. Roi tout en ska, vous êtes les boss. Et voilà, salut, au revoir.